C'est fait. L'eau potable est désormais disponible à Gamaro, un quartier périphérique de la commune de Niki. Une action humanitaire de l'ONG Tarid Aid. L'eau est la clé du développement. Elle reste le premier pilier qui donne du sens aux initiatives de progrès dans une communauté. C'est pourquoi nous, à Direct Aid, nous essayons de donner du contenu au sixième pilier des ODD, Objectif de Développement Durable, qui est de garantir l'accès de tout à l'eau et l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Nous nous joignons résolument à l'engagement du gouvernement du Bénin qui ambitionne de garantir l'accès à l'eau potable à tout d'ici 2021. Fini donc les grandes distances à la recherche de ce liquide précieux à la vie, à la grande satisfaction des premiers bénéficiaires. Nous sommes en train de recevoir aujourd'hui de l'eau potable dans le quartier. Ça, infiniment merci. Que Dieu vous donne la force de pouvoir vous rappeler de nous pour nous enlever dans la soif, dans la misère, surtout nous les femmes. Nous avons de l'eau devant nous et qu'effectivement, cette miséricorde que nous recevons de la part de cette société, je demande que Dieu puisse bénir encore une fois cette miséricorde et bénir cette société. Pour nous, c'est une joie, une grande joie, la réalisation de cet ouvrage qui vient en un temps soit peu soulager le problème de nos braves populations. L'élan de générosité de ses partenaires coétiens impacte aussi les populations du village de Kwari-Seru. Une première dans cette localité, 48 ans après, selon Barthélemy Agbo. Le gouvernement béninois est aussi dans cette même dynamique. Le ministre me charge de vous dire que ce joyau qui bientôt va être mis en service n'est pas le dernier. Parce que le gouvernement lui-même, l'État central lui-même, a un vaste programme de réalisation d'AEV au profit des populations. Donc ce joyau est à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir en profiter pour vivre et contribuer à bâtir le Bénin. Les deux adductions d'eau villageoise sont alimentées par un système solaire afin de garantir la fourniture d'eau 24 heures sur 24. Ceci à la grande satisfaction des populations des deux localités bénéficiaires.